Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Batslayer et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec du très très lourd, c'est-à-dire Batman A Long Halloween ou Un Long Halloween en VF. Paru il y a ça assez longtemps en VF et encore plus longtemps en VO. Donc alors, Batman A Long Halloween, ça coûte 35€, ça fait 400, si je ne me trompe pas, 408 pages, comme vous pouvez le voir, donc 408 pages. L'histoire se passe à peu près ça se passe dans les débuts du Chevalier Noir, c'est-à-dire que c'est juste après Year One à peu près. Sinon, au niveau de l'édition, choix de la cover, franchement j'ai rien à dire, elle est magnifique, personnellement je trouve très très belle. Ouais voilà, je suis très, enfin voilà, elle est vraiment intéressante, vraiment, comment dire, voilà, elle est, elle donne envie, voilà, elle donne envie, elle donne vraiment envie, donc franchement là j'ai rien à dire. Voilà, super cover. Sinon, l'édition contient de nombreux bonus. Alors, je ne sais pas s'il y a autant de bonus que dans la version absolue, donc qui est parue en VO. Mais il y a quand même pas mal de bonus. Vous voyez, là, il y a un entretien de Jeff Loeb et Tim Sale. Donc Jeff Loeb qui est le scénariste de cette formidable histoire et Tim Sale qui est le dessinateur. Donc vous voyez, bon, je vais pas tout vous montrer, hein, mais vous voyez de très très belles images déjà aussi. Donc de quelques croquis, des covers, comme ceci. Donc franchement, pas mal de bonus intéressants. Donc ouais, j'ai rien à dire au niveau de ça. Donc c'est pareil, quand Urban, enfin et voilà, ils nous mettent des bonus, c'est vraiment bien. Ça coûte 35€ pour 408 pages, je trouve ça hyper... hyper raisonnable, enfin voilà, franchement ça vaut le coup, c'est sûr 35€ ça peut paraître cher, mais bon, voilà, il y a quand même 408 pages, donc là il n'y a rien à dire. On va parler maintenant du comics lui-même. Alors qu'est-ce que ça raconte? Donc alors, ça raconte que un nouveau tueur frappe à Gotham, on va dire, il fait ses meurtres qu'au moment de fête, c'est-à-dire par exemple, il va commettre un meurtre, le 24 décembre dans la nuit, ou le 31 décembre juste avant le nouvel an, ou par exemple il y avait quoi, il y avait la Saint-Valentin, il va même faire ça pendant la fête des mères, pendant la fête des pères, etc. Et ce tueur, ce nouveau tueur va s'en prendre à toutes les personnes qui, on va dire, trempent dans le milieu mafieux, c'est-à-dire qui travaillent pour Maroni, Salvatore Maroni, ou comment s'appelle-t-il, je l'ai oublié, il est dans Batman Begins d'ailleurs, forcément Falcone, voilà, Falcone. Donc il me semble que c'est plus les hommes de Falcone qui vont être touchés, enfin bref, et ce nouveau tueur, la police va essayer de l'arrêter, donc c'est surtout Jim Gordon qui va essayer de l'arrêter, ainsi que Harvey Dent, le nouveau procureur à Gotham, et Batman. Cet épisode, ça va aussi nous relater le moment fatidique où Harvey Dent va sombrer du mauvais côté, c'est-à-dire qu'il va devenir le personnage que tout le monde connaît, qui est Double Face. J'espère avoir expliqué à peu près bien, mais en gros c'est ça, cette affaire va en quelque sorte faire sombrer Harvey Dent du mauvais côté, jusqu'à ce que voilà, il y a un élément que bon, vous connaissez tous, c'est le jet d'acide dans sa figure qui va le faire... voilà, brûler la moitié de sa face, et à partir de là, il va devenir Double Face, utiliser une pièce pour commettre ses crimes, choisir s'il doit les faire ou non, et c'est à partir de là que le Harvey Dent que l'on connaît n'existe plus. Donc voilà en gros ce que ça raconte. Franchement un très très bon scénario, c'est une enquête vraiment très très bien écrite par Jeff Loeb, c'est intéressant du début à la fin, on se demande vraiment qui est ce fameux Holiday, pourquoi fait-il ça jusqu'à arriver au dénouement final qui est hyper bien fait, enfin voilà, personnellement je m'y attendais pas, c'était vraiment très bien foutu. En plus de ça, pas mal de méchants qui font leur apparition, je pense au Joker, au Sphinx, il y aura Catwoman qui sera pas mal importante. Il y aura qui d'autre? Il y a bien sûr tous les mafieux, donc comme j'ai dit, Maroni et Falcone. Après, il y aura, comment dire, tout ce qui est... il y aura donc le Sphinx, le Joker, il y aura l'Épouvantail, il y aura le Chapelier Fou, puis c'est à peu près tout, je crois. Mais en gros, vous aurez pas mal d'ennemis. Donc voilà pour le scénario, franchement, j'ai rien à dire. C'est topissime, c'est hyper bien écrit. Voilà, j'ai absolument rien à dire. C'est très bien foutu, le dénouement est hyper bien fait.
tout le récit est attelant. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. Jeff Lubb s'est surpassé, c'est vraiment génial. J'ai lu en tout deux récits de ce scénariste, donc Batman Silence et Batman Halloween. Personnellement, même si j'ai adoré Batman Silence, qui est un de mes récits préférés, Batman Halloween, je trouve qu'il est quand même un peu plus au-dessus au niveau de l'écriture. Mais bon, bref, passons. Batman Un Long Halloween est vraiment très bon. Pour moi, c'est un coup de cœur. Franchement, je regrette d'avoir mis tant de temps à l'acheter. Il est vraiment très très bon. Donc voilà, c'est vraiment génial. Passons maintenant au point qui me... On va dire c'était surtout sur ce point-là que j'hésitais pendant longtemps à le prendre. C'est les dessins de Tim Sale. Faut savoir que Jeff Lubb et Tim Sale vont faire souvent des... ils vont souvent être en duo, ces deux auteurs, enfin ce scénariste et ce dessinateur, ils vont faire équipe de nombreuses fois. C'est des dessins assez particuliers, mais finalement après lecture, franchement, j'ai beaucoup moins de mal, j'aime beaucoup plus. C'est franchement très très réussi, il y a des pages vraiment que j'adore. Par exemple, j'en cherche une, voilà, celle-là, elle est magnifique par exemple. Enfin franchement, il y a des pages vraiment très très belles. Après, je peux comprendre que certaines personnes soient... rebuté par ce style graphique parce que c'est très particulier. Hein. Celle-ci aussi est très belle. Ici. Donc, encore une fois, voilà, c'est sûr que c'est particulier, mais franchement, essayez. Peut-être que vous allez changer d'avis comme moi parce que franchement, c'est vraiment très très beau. J'ai rien à redire finalement. Ces pages sont somptueuses. Alors, je vais vous montrer cette fameuse page où on voit Harvey Dent devenir double face. Bon, je vous montre pas plus de la fin, sinon ça serait vraiment du gros spoil. Mais en gros, voilà, Harvey Dent qui est devenu double face. Donc franchement, ouais, voilà, le style graphique, c'est un style particulier, encore une fois. Faut accrocher, mais moi, personnellement, j'adore. Au bout du compte, franchement, j'adore. C'est hyper beau, c'est un style qui lui est propre, mais c'est franchement très, très réussi. Mais encore une fois, ça va plaire ou ça va pas plaire. Mais en général, quand ça plaît... On va trouver ça magnifique. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour Batman Un Long Halloween. Franchement, je vois pas ce que je peux dire de plus, à part que c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment, pour moi, un des meilleurs récits du Chevalier Noir que j'ai lu pour l'instant. Si je dois vous faire un petit top 3, ça serait Year One, Silence et Un Long Halloween. Je n'ai pas encore lu The Killing Joke, donc calmez-vous, je ne peux pas dire... Je ne peux pas dire si The Killing Joke peut entrer en compte, je ne l'ai pas lu, même si, voilà, beaucoup de monde le dit, Killing Joke est un chef-d'œuvre, mais bon, je n'ai pas lu, donc je ne me prononce pas. Mais sinon, Batman Halloween, je l'ai lu, c'est vraiment magnifique, c'est hyper bien écrit, enfin voilà, Jeff Lubb est vraiment très très bon, les dessins de Tim Sale sont magnifiques, donc après c'est à vous de choisir, hein. Mais franchement, voilà, si vous êtes comme moi, que vous avez mis assez longtemps à l'acheter, si vous vous demandez encore est-ce qu'il faut que je le prenne, moi je vous dis qu'une chose, c'est oui, foncez, c'est vraiment un très bon récit. Moi j'ai qu'une hâte, c'est d'acheter la suite qui est Batman Amère Victoire, qui est aussi un gros pavé, hein. Batman Amère Victoire qui prend quelques années après Un Long Halloween, et où Batman va faire équipe avec son nouveau coéquipier qui est Dick Grayson, si j'ai bien suivi. Enfin bref, voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Batman Halloween, c'est un vrai coup de cœur. Je vais quand même donner ma note, mais ma note, elle est là, c'est 5 sur 5. J'ai rien à dire, 5 sur 5 ou 10 sur 10, c'est comme vous voulez. Batman Halloween est parfait, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur normalement Batman, Un Deuil dans la Famille ou Batman Noël, ça dépend. La vidéo présentation de mes comics arrivera sûrement après cette vidéo, normalement, en fait. Il n'y aura peut-être pas de review comics juste après celle-ci. Peut-être qu'elle arrivera juste après, je ne sais pas. Mais en gros, elle arrive très bientôt. Mais j'ai changé d'avis. Finalement, cette vidéo présentation, je ne vous montrerai que mes comics. Parce que j'ai vraiment essayé de tout vous montrer. Mais j'ai vraiment des problèmes. C'est-à-dire que je suis obligé de tenir la caméra à la main. C'est vraiment... pas très classe, je sais pas trop quoi dire, c'est pas intéressant, donc je vous montrerai que mes comics, de toute façon ma chaîne est là pour ça, vous parlez de comics, donc ça sera que du comics. Je vous montrerai peut-être simplement mes quelques figurines, je verrai, ça dépendra. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour normalement la vidéo présentation de ma collection de comics, ou alors une review comics. Moi je vous dis à plus, prenez soin de vous et lisez des comics.